J'organise depuis 7 ans maintenant une session tous les ans aux entretiens Jacques Cartier avec le professeur Marie-Pascale Paumet et cette année avec le professeur Nathalie Clavel qui tous les ans tournent autour du même fil rouge qui sont la place des citoyens, la place des patients dans la santé, dans le monde de la santé. Les premiers entretiens Jacques Cartier, ce que je peux dire, c'est d'abord la découverte. Hein, c'était en 2018. J'arrivais, je découvrais que finalement la santé était intégrée dans finalement un écosystème qui était beaucoup plus large. Les entretiens à Jacques Cartier, c'est aussi ça. C'est le fait que le monde des affaires, le monde industriel, le monde institutionnel, le monde de la santé sont ensemble. Ça a été l'occasion de découvrir des collègues ou des personnes qui travaillent dans le même milieu de la santé que je ne connais pas et avec qui on peut travailler ensuite, on peut continuer à travailler ensuite. L'utilité, ce que l'on fait, doit nous servir à améliorer nos pratiques, nos organisations. La joie, c'est qu'on le fait dans une atmosphère à nouveau qui est festive et qui fait du bien. Et le troisième, c'est le partage, c'est-à-dire qu'on apprend à partager des expériences qui se passent outre-Atlantique versus la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous permet de construire derrière. Cet événement qui aura lieu le 17 octobre, au centre de recherche du CH de l'Université de Montréal, est un événement qui porte sur un enjeu qui aujourd'hui est majeur dans les établissements de santé, qui est celui d'être un établissement promoteur de santé. Et donc l'idée qu'on a eue cette année, c'est de se dire, puisque c'est un enjeu qui est aussi important, organisons un événement tout en gardant notre fil rouge qui est l'engagement des patients, de se poser la question de finalement quand on évolue vers plus de prévention, plus d'éco-responsabilité. Comment l'engagement des patients, des citoyens, des usagers va nous aider à avancer sur le sujet de la prévention, sur le sujet de l'éco-responsabilité? Comment est-ce que nos actions en termes de prévention ou d'éco-responsabilité ont un impact sur l'expérience des patients dans nos hôpitaux? Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on a voulu rassembler pour porter un petit peu le sujet qui est aussi aujourd'hui tellement important, qui est l'hôpital promoteur de la santé de ses patients, de ses professionnels et des citoyens sur le territoire de notre hôpital.